Spectaculaire, c'est le mot que l'on a utilisé. Pourquoi, Michel? Ben, comment Michel Bergeron peut-il se présenter ce soir après que Radek Bong ait été choisi la première étoile du match? Michel? On peut pas tout être parfait, Michel. Mais non, mais regarde, c'est correct. Non, mais tout le monde me demandait en sortant du Centre Bell, allez-vous dire à Michel Bergeron s'il va être Michel, là ce soir? Regarde, Michel, à l'écran. Oui. 15 buts, 14, il en reste 13, des marges de l'oratoire. C'était un petit scénario-là, là. C'était un petit scénario-là, Michel Villeneuve l'avait fait l'année passée, lorsque Yann Bolis avait marqué 4 buts. Puis je lui avais dit, combien tu te feuillais qu'on mette sur la table que tu serais à Montréal l'an prochain? Ah, il dit, on verra. Mais ben, on a vu. Là, à Vancouver, Yann Bolis ne s'habille même plus. Donc, c'est vrai que Bank un bon match. Première étoile. C'est vrai, oui. Première étoile. Ben, avec raison. Tu vas-tu aller monter les marches de l'oratoire? Ben, voyons donc. La seule affaire, Michel, c'est que t'avais... Michel Villeneuve, là, il apprendra pas ce que moi j'ai oublié. Oublions pas ça. Ce que j'ai oublié, là, il l'apprendra pas. Donc, Puis ça prouve une chose, hein. Lorsque le troisième trio produit, chaque équipe a une chance de gagner. Ben, c'est ce qui est arrivé à Montréal. Moi, en tout cas, je donne un 10 à Guy Carbonneau ce soir. Hein? Après, qu'est-ce qui est arrivé à Donny, j'ai dit, comment le Canadien va répliquer à ça? Parce que tu peux pas avoir ça dans ton building. Mais là, ils sont mis à courir après les joueurs un peu, là, après l'adversaire. Correct, ça, après Faneuf, et après ça, ils ont couru après un bon. Les défenseurs des Canadiens ont décidé de lui donner la claque. Il y en a une gang sur le bas qui doit avoir des problèmes ce soir là, pour se déchanger, te déshabiller. Parce que comme ça règle, tu as eu une game. Oh. Puis Rivet, en avant, il a donné du Sherwood. Ça a été vraiment intéressant de voir la réaction du Canadien. Réaction des joueurs. Plutôt que s'en prendre au 20e joueur du club d'autre part... Ils ont couru après Faneuf, après Higgin, là, puis après Faneuf, ils ont une soirée difficile physiquement, puis tant mieux. Ce sont c'est le cœur de l'alignement des Flames. Surtout que McCarthy est à prendre une forme. Donc, les Flames représentent une équipe pas tellement robuste. Physique. Qui joue physique, Comme Higgin-là. Higgin-là, il faut qu'il prenne soin de lui-même. Le commissaire avec Higgin-là. Ben oui, c'est ça. Oui. Les Canadiens ont avantage. Ils nous ont fait passer une belle soirée. Ben oui, ça a été... J'inquiète, parier... Comme on voyait en début d'émission, spectaculaire. Qui aurait parié qu'il y aurait, dans ce match-là, 9 buts ce soir, alors qu'on s'attendait à un match ultra conservateur avec de bonnes défensives? Mais je vais vous dire une chose, on aurait eu droit à un match extraordinaire ce soir, mais c'est maudit pause publicitaire de 2 minutes. Je ne sais pas comment c'était à la maison, mais au Centre Bell, là, ça a coupé le rythme. Écoute bien, là, ça patinait, là, t'es arrêté 2 minutes, il faut la recommencer à chaque fois. C'est mortel, ça, pour le match. Pour les joueurs, c'est mortel. Là, les joueurs, là, un match de la Ligue nationale, on veut jouer avec de l'adrénaline. On veut l'adrénaline. On veut avoir de l'action. Salaire, là, c'est qui paye, là, c'est commanditaire. C'est ça, on veut que ça bouge. Donc, Jean, j'ai fait le hockey, on passait 7 et 8 pauses de 30 secondes, puis il n'y avait pas de pause d'une minute et demie, ça s'est déjà fait. Ah, mais là, c'est rendu à combien? C'est 2 minutes. C'est une pause de 2 minutes. C'est toujours arrêté. Je voyais les coachs, puis au Centre Bell, là, il y a un temps mort. C'est vrai, à la maison, là, tu changes de poste, tu vas chercher une liqueur, n'importe quoi. Tandis qu'au Centre... Liqueur, oui. Liqueur blonde. OK, liqueur blonde. Mais au Centre Bell, c'est vrai, là. Là, on est là, on attend, on nettoie le long des rampes, on nettoie les filets. Ben, le joueur qui saute son tour une fois ou deux parce qu'il a un avantage numérique ou un désavantage numérique puis qu'il est sur le banc, là, ça rajoute 2 minutes encore à ça. Puis là, on lui demande d'embarquer sa glace puis de performer. Vous autres, les gardiens, c'est mauvais pour vous autres aussi. Ben, moi, je détestais ça. Moi, j'aimais beaucoup mieux avant, quand on a commencé à mettre les pauses publicitaires plus longues. Là, tu patines, puis tu essaies de te garder réchauffé, puis de te garder dans le match. OK, on va revoir l'incident de Donnie et Regier, si vous le voulez bien. Et on a fait un montage avec celui de Di Maio et La Tendresse aussi. Ça ressemble beaucoup. Parce qu'encore une fois, c'est le deuxième homme, parce que Donnie ne s'attend pas à ce que ce soit il Regier... Il ne voit pas venir, hein? Qui vient de... Ben non, regarde, un petit peu comme... Et il s'attend à ce que ce soit le numéro 21 qui vient de le frapper. Et finalement, c'est Regier qui s'emmène et il l'étend. Oui, mais là, écoute-moi bien. Quand un gars comme Donnie, il voit sur la glace Faneuf ou encore Regier ou Ferenc, bien, j'espère que le gars, il sait qu'il va se faire frapper, mais c'est pas un endroit. Oui, mais c'est Fagné. C'est pas un endroit, il y a beaucoup de mise en échec. As-tu déjà vu, toi, un Peter Stastny ou un gars comme Guy Lafleur se faire frapper comme ça? Jamais. Ouais, mais l'endroit sur la patinoire, c'est un endroit qu'on voit pas souvent des mises en échec comme ça. On va voir ça à ligne bleue offensive, ligne bleue défensive.
Mais c'est rare, on va voir ça en à 3-4 pieds de à la ligne rouge. Toi, c'est une commotion cérébrale qui a mis fin à ta carrière. Oui, 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 commotion cérébrale. Comment tu te sens, là, quand... Ou quand je le regarde après, quand il tombe comme un match de soir, ben tu tombes à terre, là, puis à un moment donné, tu t'endors, tu te réveilles, tu sais plus t'es où. Moi, j'ai vraiment pas un bon sentiment pour Downey. La façon qu'il s'est relevé, là, je pense qu'il n'a même pas fait un pas pour se rendre jusqu'au banc. Il y a une historique de commotion cérébrale. Il était à une commotion cérébrale près. Moi, j'ai bien peur que ça sente la fin pour lui. Mais est-ce que c'est un geste salaud? Ça non. Méritait au moins deux minutes. Ça au moins. Pénalité. Il a traversé la patinoire pour aller chercher. Mais c'était pas salaud. C'était pas blessé par en arrière, frappé par en arrière avec tentative de blesser. Rigger, lui, il s'en venait. Puis il voulait terminer sa mise en échec. Ben ouais. Mais le problème, c'est que Downey n'avait plus la rondelle. Il n'avait plus la rondelle depuis au moins une seconde et demie. Mais souvenez-vous qu'en entraînement, Guillaume La Tendresse, on l'a vu, c'était une situation de, exact. Deux attaquants. Di Maio regardait le mauvais. C'est un joueur pourquoi on a sorti... Ouais, c'est pas compliqué. C'est Robin Rigger qui est un joueur étoile dans la Ligue nationale. Puis Guillaume La Tendresse, Tinticu, qui était dans un match en concours. Pas plus compliqué. Je cherchais pas de midi à quand même. Si on a au moins, on avait donné l'arbitrage en Ligue nationale. Ça se pose d'être meilleur. C'est plus supposé d'être comme ça. Ouais. Ça devrait jamais... Mais au moins, si on avait donné deux minutes. Tu sais, roughing ou... Ça aurait pu dégénérer, ça. Parce que Downey n'avait plus la rondelle. Moi, je pense que c'est donné la oubliez pas une chose, hein. Dans une, disons, vingtaine d'années passées, même 10 ans passés, là, avec les équipements qui étaient beaucoup moins durs. Ça, c'est des armures pour de Sir Lancelot. Le gars reçoit ça sur la gueule. C'est sûr, il mesure 6'3", lui, Rigger. Rigger, 220 livres, c'est énorme, ça. Le gars, Letoski, c'est Letoski cette semaine qui s'est fait étamper. Trevor Letoski. Tabarnou, j'ai la même affaire que ça. Si t'as pas ces maudites grosses épaulettes, là, ouais, mais là aujourd'hui, tu fais pas faire mal de même. Denis Hamel, l'échappée belle contre Dion Phaneuf, justement, à Ottawa la semaine dernière, une mise en échec, alors que Phaneuf est sorti un peu comme Rigger l'a fait. Là, mais moi, en regardant le match de ce soir, là, j'ai remarqué beaucoup de choses. C'est vrai qu'à Montréal, on est critique. On critique quand? À peu près sur tout. Je regardais l'alignement des Flames de Calgary. C'est épouvantable. On parle même des Flames qui pourraient être une équipe qui pourrait gagner la Coupe Stanley. Oubliez ça, là. Il n'y a même pas un joueur de centre numéro un. Mais attends, Michel, il y a plusieurs joueurs numéro un. Je me demandais aujourd'hui, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour être comme les Flames? Les gens me disaient, il y a un gardien de but numéro un, le meilleur de la Ligue nationale, Kiprusoff. Ils ont probablement le meilleur. Kiprusoff, c'est le meilleur depuis deux, trois ans. Bon, c'est ça, c'est bon. Kiprusoff, c'est le meilleur depuis deux ans. On met Brodeur en avant un peu. Non, je ne te parle pas depuis 10 ans. Je te parle au cours des deux dernières saisons. Oh, ben, ils ont la meilleure paire de défenseurs de la Ligue nationale. Robin Rigger et John Phaneuf. Admettons que c'est pas pire. J'aime mieux Pronger ni Dumayer. Nos cartons. Nos cartons. Faut coter le match. Montre-les pas tout de suite. J'ai pas besoin de regarder les autres pour faire mon choix. On sait bien. Les faits. 7. 8. Oh, 6! Hey, c'est un joueur qui est le plus négatif. 6. Un joueur qui est le plus négatif. Il a gardé plus les gardiens de but. Pourquoi 6, Dominique? Il a gardé plus les gardiens. Moi, ce que j'ai aimé, là, d'abord, le spectacle. Je suis un amateur de hockey. J'ai regardé le spectacle. Bang, dès le début de la rencontre, mise en échec. But rapide. Mise en échec encore en deuxième période. Et là, on revenait. Ça prenait pas une minute que... On égalait. Le spectacle qui nous a demandé d'évaluer sa performance du Canadien. Je vais mettre le match du Canadien 6. Pourquoi? Parce que tant qu'à moi, ils ont joué un petit peu plus que 30 minutes comme ils sont capables. Puis le restant, ils n'ont pas joué comme ils sont capables. La deuxième période, ça a été extrêmement difficile. Samsonov, à la fin du match, est assis sur le banc. Oui. On a envoyé Bégin comme mesure défensive. Je pense que dans toutes les circonstances, on a envoyé Bégin qu'on voit beaucoup plus à l'aise lorsqu'il est à l'aile que lorsqu'il est utilisé au centre. Puis Jean avait raison tantôt. Carbonneau, il a dirigé un Moses de bon match. Ben, quelque part, il y a pas mal de Bergeron dans le nez. Je le vois placoter avec les arbitres. Le soutien, il y a une face à claque des fois, comme toi, Michel, dans le temps. Mais là, j'aimerais ça. Si on pouvait le voir à la fin du match, l'expression. Carbo, là. Il fait ouf à la fin du match. Il n'y a pas de fesse de bois. Non. Il montre ses sentiments. Ben oui, mais c'est correct, ça. Il ne se cache pas, hein.
Il se cache pas, je l'entendais dans ses commentaires sur Christophe Baluet. Il dit ouais. Ouais, en voulant dire, il n'a pas été fort, mais par contre, quand à c'est 5 ans, ben oui. Il a fait des arrêts en tabarouette ça en fin ça, en fin hein, parce que les gardiens de but ne seront pas forts à tous les matchs, toute la saison. Puis dans la série de la Coupe Stanley, c'est la même chose. Les gars qui ont gagné la Coupe Stanley, que ce soit Patrick Roy ou n'importe qui, ils ont des bons matchs, puis ils ont des moins bons matchs. Mais ils réussissent à gagner la Coupe cette année parce qu'ils font les arrêts au bon moment. Ben oui. Toi, comment tu l'évalues, Cristobal, ce soir? Moi, j'ai pas trouvé qu'il était si faible que ça. Non, non, il n'a pas été si faible que ça. Par contre, c'est sûr que le quatrième but lancé de la ligne bleue, il y avait un peu de monde, mais je pense que normalement, il aurait dû l'arrêter. Mais quand ça touche un poteau, comme Faneuf, par exemple, qui lance de la pointe, touche un poteau, tu mets-tu le gardien de but en cause, une situation ben moi, je suis quelqu'un qui a lancé de la pointe quand tu peux voir la rondelle, quand il n'y a pas trop de trafic. Tu devrais être capable de trouver la rondelle. Parce que le poteau, Jean, c'est ça. Hein? Mmh. Fait que si le gardien de but ne l'arrête pas, c'est parce qu'il ne voit pas. Mais Kiprusoff, lui, qui s'est fait passer deux garnottes par Sauvé. Sauvé, il y a une affaire. Il a touché, là. Il a touché le filet à rentrer. Les garnottes de Sauvé, là. Quand ils sont sur le but. Ouais, quand ils sont sur le but, avec Higgins devant le filet, ça prend plus que des yeux. Mais vous ne trouvez pas que ça a été le match, un bon vieux match d'hockey? C'est ça qu'on disait. Bon vieux match d'hockey avec un petit peu de croisement là-dedans. Et trafic devant huit, comme il y en a. Et ces deux joueurs-là ne se reverront pas. S'en vont défendre. Comme quand ça se passe. Et ces deux équipes-là ne se reverront pas avant 2009. Je trouve ça épouvantable parce que tu voyais qu'il y avait, je ne sais pas si c'est en cause du déséquilibre fiscal parce que l'Alberta est trop riche et les joueurs du Canadien voulaient se venger. Mais le travail de Higgins, on se demande toujours qui est assez fou pour aller se placer devant le filet quand Sauvé tire la ligne bleue. Mais Higgins, il est fou. Il est allé, puis écoute, là, il a fait du mot du bon travail. Il était d'un culotte de Kiprusoff. OK, parlez-moi de Kovalev. Kovalev, c'est Kovalev. $125 pour payer le projet là. Tu vois Kovalev nous donner des petits trucs. Ça ne dure pas trop longtemps, mais c'est le fun. C'est un 125 gens... vite dépensé. Puis les gens sont là, puis ils l'applaudissent, ils sont bien contents. Oh, c'est vrai ce que j'ai dit. Les gens voient juste le côté spectaculaire. C'est encore le gars qui est le plus applaudi. Premier but du Canadien. Lui, ça pointe. Mais il marque le vainqueur. Lui, ça pointe, là. Lui, il pense tout le temps offensif. C'est l'autre équipe à la POC et lui, il se dit probablement, à un moment donné, ils vont appeler. Ouais, mais Michel, moi, je veux me mettre dans une situation. Qu'est-ce qu'il faisait sur le désavantage numérique? Ben ça, oui, Carbonneau, il est allé en première période. Carbonneau, je ne sais pas pourquoi il l'envoyait là. Non, mais Carbonneau, il nous prouve depuis le début, c'est pas moi. Ben, le Canadien est la meilleure équipe. Il essaie de Carbo utilise quatre duos en désavantage numérique. Ouais. Donc, ça, c'est toujours des athlètes reposés, ça fait du mais avez-vous vu qu'en avantage numérique, lorsque Kovalev et Sadler, c'est une autre paire de manches? Parce qu'on lui cherche constamment, plutôt que de diriger l'avantage numérique de la pointe, il le dirige le long de la rampe. Puis quand lui est là, le Canadien a un avantage numérique différent, puis il est rentré souvent, puis il a pris des bons lancers. D'ailleurs, son tir ce soir... Là, on nous remonte le Rivet là, quand il s'est fait prendre. Là, il tourne du mauvais bord. Oui, il tourne du mauvais côté. Ouais, mais il n'y a pas un pied à mocher. Il y avait peut-être de la misère à Ouais, Dominique, non, mais ça, c'est le petit bonbon qu'on donne à Craig Rivet à l'employeur sur l'avantage numérique. Il n'y a pas d'affaire là. Puis lance le défenseur. On met dans l'alignement Mark Streit parce que Dandonneau est blessé. Streit est un défenseur offensif. Qu'on l'envoie. Qu'on l'envoie sur l'avantage numérique. On a envoyé pendant 22 secondes, je pense, Guillaume Latendresse sur l'avantage numérique. On l'a envoyé deux fois. La première fois, il n'est pas allé se placer au bon endroit. D'ailleurs, on a vu au retour au banc, Carbonneau lui a parlé. Puis la deuxième fois, il est allé bloquer la vue systématiquement du gardien. Mais il y a eu un lancé qui a touché l'extérieur du filet. Puis en première période, il est allé, puis il y a eu la rondelle dans le dos. Mais si ça en va sur l'avantage numérique cette année, ça va être devant le gardien de but. Là. Faut pas s'en cacher. Il n'a pas joué beaucoup. La tendresse à Noël, il va s'en aller avec l'équipe junior. Il ne restera pas ici. Alors, tu n'es pas capable de suivre. La tendresse pourrait la suivre. Je pense que c'est dans le contrat, Jean. On l'utilise. Il va aller dans le junior, d'après moi, parce qu'à l'heure actuelle, il ne retournera pas dans les rangs. Je pense que dans le cas de la tendresse, dans le moment, il y a de la misère. Moi, je ne suis pas capable de l'évaluer. Parce que je ne le vois pas. On le voit pas. Il a joué ce soir. 6 minutes, 18. 6 minutes, c'est des présences de 30 secondes. Ouais. Puis en plus de ça, là, c'est que lui, là, sur la patinoire, la seule chose qu'il pense au moment où l'on se parle, c'est qu'il ne faut pas que le Canadien se fasse compter quand lui est sur la patinoire. Ça joue mal comme ça. Mais je ne connais pas, moi, d'athlètes là, qui pensent, qui sont de bons marqueurs, qui pensent seulement défensivement. Voyons donc. Mais est-ce que ça se pourrait, les gars, que Guy Carbonneau et attendre de voir un réveil un peu. Parce que Guillaume Latendresse, il réalise son rêve, fait l'équipe, fait le Canadien.
Est-ce que tu es content de faire le Canadien, mon gars? Oui, je suis content. Maintenant, est-ce qu'il est satisfait de ça ou est-ce qu'il en veut plus? Est-ce qu'il a de la misère à patiner? Il a de la misère à suivre. Puis ce soir, c'est sûr qu'il voulait aller frapper. Il voulait aller frapper des gars. C'était tellement des bonnes mises en échec pendant le camp d'entraînement. Puis là, ce soir, j'allais chercher. Il est tendu. Ça va venir. Là, Carbonneau, ce soir, il a fait jouer avec Kovalev. Il a dit, je vais lui donner confiance. Tout à coup, qu'il va aller chercher un but. Il a besoin d'aller chercher un but, la tendresse, pour prendre sa confiance. Un point. Hey, je veux parler, tu en as parlé tantôt, là. Le numéro 8. Comme on est en train d'assister à l'éclosion d'un beau talent. C'est l'homme clé. C'est pas compliqué, là, parce que Souris est erratique. Rivet va choisir les mauvaises options, sauf quand il s'est ramassé dans le fond de la zone, là, sur une attaque numériques. En désavantage numérique, dans le fond, en fin de partie. Là, alors, il est revenu au banc. Je pense qu'il se l'est fait rappeler. Mais, hey, Commissarek, là, il joue au hockey en tabarnouche, puis physique. J'aime ça quand il n'y a pas de colle. Ouais. Tu sais, là, à un moment donné, avec les gars, là, ce soir, là, tu veux jeter tes gants. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on dit tout le temps, mais il ne faut pas qu'ils se battent. Tout d'un coup, qu'ils se brisent. Il y avait les blessures aussi, hein, les défensifs du Canadien. Il y a eu des pénalités. Tu veux te faire respecter, à un moment donné. Il y avait d'autres défenseurs, tu sais, comme Rivet blessé. Ensuite, il y a eu des pénalités, des défenseurs. Story sur le banc, Rivet sur le banc. Peut-être qu'il y avait un colosse, là. Il fait un job. Commissaire, oh, ouais. 240 livres. Finalement, c'était un début de saison. Est-ce que ça vous surprend? Remarquable. Oui? Ah, ben, il va dire une chose. Je m'attendais pas à ça. Je pense pas que le Canadien n'a pas gagné un match par un but cette année. Il faut faire attention, là. Il faut faire attention. Il faut être calme. Parce que quand tu gagnes par un but. On a gagné 3-1 contre. À soir, là, facilement, là, les gens souhaitaient presque une fusillade. Ça a passé proche. Mais le Canadien a un match au-dessus de 500. Alors, 3 victoires, 2 défaites. Le Canadien se comporte très, très bien. Ouais, honnêtement, il y a de la production de différents joueurs aussi. Avant chaque match, là, je fais une comparaison. D'abord, on a les alignements, nous autres, c'est la press box. Là. Je compare l'alignement du Canadien. Comme ce soir, là. Tout le monde disait les Flames. J'ai dit les Flames. Ils sont pas robustes, McCarthy n'est pas là. Et personne ne va intimider le Canadien. C'est plus le McCarthy qu'on a commis. Les défenseurs sont robustes. Oui, non, mais ils savent jouer au hockey. Ouais. C'est pas des goons, des gros gars qui sont là pour jeter leur gant, là. Mm-hmm. Donc, je compare les deux. C'est vrai qu'ils proussent. Moi, je pense que le Canadien va avoir une bonne saison, qui vont être réguliers Il y a juste les blessures qui pourraient être un facteur. Oui, mais même, pour toutes les équipes, ça, Jean. Pour toutes les équipes. Je pense que quand même, ils vont avoir une bonne saison. Juste la façon qu'ils se comportent sur la glace. Le positionnement. À un moment donné, en deuxième période, ça a été difficile, mais. Dernière minute de jeu. Il y a eu des ajustements entre la deuxième et la troisième, c'est certain, parce que les joueurs ont embarqué sur la glace. C'est des choses qu'on ne voyait pas quand la saison dernière, début de saison, même si le Canadien avait un bon début de saison. Jean, il y a un gars que tu aimes beaucoup, puis que ce soir, j'ai trouvé qu'il a fait 2-3 bons jeux, c'est Paris Hogan. Quand il a touché le poteau, le Canadien était emprisonné dans sa zone, il a réussi à sortir la rondelle avec ses patins. Il a amené ça. Paris Hogan, ce soir, c'était un des héros, parce que j'ai trouvé qu'il a joué un très bon match quand on a parlé beaucoup de Bunk et de Johnson, mais Paris Hogan a fait du bon travail ce soir, je te dirais. C'est son meilleur match depuis longtemps. C'est Radek Bond. Il y a une chose qu'on a vue, là, ce soir, à la fin du match, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, à un moment donné, le Canadien est 6 contre 5. Le défenseur, il veut absolument que Bond marque son troisième but. Et là, il passe la rondelle à Bond directement dans son territoire. Au lieu de maudire ça à l'autre bout de la patinoire, c'est un bon esprit d'équipe, mais des fois, il ne faut pas essayer de chercher. Demain, Chicago, tout entraîneur te dirait, Jean, là, que tu en allais à l'aéroport après une victoire, que tu en allais jouer une autre salle en 24 heures. C'est le pas. Chicago, pas mauvais cette année. Ça joue, ça compte des buts. On va voir ça demain. Deuxième match. Êtes-vous prêt? De l'Auto-Québec, vous pourriez gagner le gros.